Hey, salut tout le monde, salut les potes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars, où on va vous présenter toutes les anecdotes YouTube qu'on a trouvées sur cette fameuse plateforme qui est YouTube. Cette énorme plateforme, j'ai envie de vous dire. Et avant d'entamer le sujet, les gars, je vais vous demander d'aller, si ça vous intéresse, d'aller checker notre chaîne, les gars, Joe Gaming. Donc, on est un petit couple comme ça sur YouTube, on se prend pas la tête, les gars. Donc voilà. Et aussi, avant toute chose, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça nous aide. Et ça nous ferait grandement plaisir. Et pour la toute première anecdote, sachez qu'en octobre 2006, Google a racheté YouTube. Bon, je pense que vous avez tous vu que Google maintenant était relié à YouTube, mais ils ont acheté ça pour 1,65 milliard de dollars, ce qui est juste énorme. Donc voilà, ils avaient vraiment du blasphème, ils ont vu qu'il y avait quelque chose derrière. Donc voilà. Et pour la deuxième anecdote, les gars, on se retrouve avec un truc assez fou, assez incroyable, je dirais. Donc, dites-vous bien, les gars, que plus de 400 heures de vidéos sont uploadées chaque minute sur YouTube, sur cette plateforme, comme j'ai dit, un peu de fou. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, 400 heures de vidéos, c'est énorme. Chaque minute, surtout, c'est vraiment n'importe quoi. Et pour continuer dans ces anecdotes incroyables à propos de YouTube, sachez que plus de la moitié des vues se font sur des smartphones. Donc c'est vrai qu'avec la démocratisation des smartphones, l'ordi passe après. Donc voilà, c'est vraiment un truc assez impressionnant, puisque avant c'est tout se passait sur ordi, maintenant c'est plus sur éléments portables ou tablettes ou choses comme ça. Et pour cette quatrième anecdote, les gars, on va encore partir sur un truc de fou, les gars. Chaque jour, dites-vous bien qu'on passe, tous les utilisateurs YouTube, quand je dis qu'on passe, 46 000 années à regarder, donc passer, enfin 46 000 années passées à regarder tout simplement des vidéos YouTube en un jour, à nous tous les utilisateurs YouTube. Donc c'est un chiffre quand même, je sais pas si ça vous parle bien, mais 46 000 années, ça fait beaucoup. Ouais, faut le faire, ouais. Et pour la cinquième anecdote, sachez que plus de 100 ans de vidéos sont visionnées par jour pour vérifier les droits d'auteur, les gestions de droits d'auteur, ce qui est vraiment super important pour les copyrights de musique, les copyrights de clips, de vidéos d'auteur. Donc voilà, c'est vraiment super important. Alors pour la sixième anecdote, les gars, on va parler d'argent. Je sais, c'est un peu tabou sur YouTube de parler d'argent, mais on va en parler vite fait, je vous promets. Donc, des milliers de chaînes sur YouTube, je sais pas si vous le saviez, mais des milliers de chaînes sur YouTube dépassent 100 000 dollars de revenus par an. Donc c'est vraiment un chiffre qui me laisse sans voix limite. Donc voilà, les gars. Et pour cette septième anecdote, sachez que les utilisateurs YouTube font plus de recherches que le nombre d'utilisateurs de Yahoo et Bing, qui sont des moteurs de recherche, donc qui passent après Google. Mais c'est vraiment totalement énorme. Voilà, ça veut dire que les gens vont plus chercher par exemple des tutos, des choses comme ça sur YouTube, que d'aller sur Yahoo ou Bing. Donc après, sachez qu'il y a quand même Google, mais Yahoo ou Bing sont vraiment en arrière-plan. Et pour la huitième anecdote, les gars, on va rentrer dans un truc complètement, enfin, qui m'a surpris complètement, je sais pas toi, mais moi en tout cas, ça m'a surpris. 9 sur 10 des vidéos YouTube les plus regardées, c'est des clips de musique. Donc on peut se dire, ben, genre comme ça, en apparence sur YouTube, tu te dis les vidéos les plus vues, bon, à la limite, voilà, c'est des vidéos un petit peu putaclic, genre un peu basées sur le sexe, avec des miniatures pas très propres. Tu vois ce que je veux dire, mon gars? Voilà. Mais là, en fait, non, pas du tout. Mais ça peut être compréhensible, mais pas dans ma tête en tout cas. Et pour cette neuvième anecdote, sachez que au départ, YouTube était censé être un site de rencontre. Donc on voit vraiment qu'on en est très loin. Donc c'est pas comme Mythique ou quoi, c'est pas rencontre entre un homme et une femme, c'est plus rencontre entre un YouTuber et ses abonnés. Donc voilà, c'est juste fabuleux ce qui se passe sur YouTube. Mais voilà, à la base, c'était vraiment pas ça du tout. Voilà, on va enchaîner directement avec la dixième anecdote, les gars. Qui m'a surpris également un petit peu. Donc il faut savoir que tellement YouTube a une croissance et une forte présence au niveau mondial, et ben le site est localisé dans plus de 75 pays et est traduit dans 61 langues différentes. Donc ce qui est quand même pas mal. Voilà, c'est déjà la fin de toutes ces anecdotes. On sait très bien, on est bien conscient qu'il y en a plein d'autres qu'on pourrait vous citer, mais on vous a cité vraiment les plus grosses. Et voilà, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes en toute cette vidéo, à la commenter, la partager, faites ce que vous voulez avec. Et voilà, on vous dit à très bientôt. Peace!